comme on n'avait pas de loch sur son bateau pourri, on avait une boîte de conserve avec un nœud au bout de 18,50 m de ficelle, et ça nous servait de loch. Alors on remplissait la boîte de conserve, on la lâchait au signal, on comptait le nombre de secondes, et après on venait les calculs. Ça donnait la vitesse. Ça donnait le 1000. Par rapport à la vitesse. On avait fait 18,50 m pour faire plus malin, pour simplifier les calculs. Bien sûr. Quelque part. Mais en fait, donc, il avait fait une abac une bonne fois pour toutes, et ça marchait très bien. Enfin, ça marchait. Ça versait Simpson. Anglais, il y avait je ne sais pas combien de valves en laiton, en bronze, en machin, matériaux divers, tous plus ou moins oxydés. Et on l'avait immergé au large d'Ouessant. Parce que qui va à Ouessant ? Poisson. Waouh. Il faisait un temps grisâtre devant Ouessant et on l'a mis sur la planche. Et le chiot est parti. Qu'est-ce que c'était comme marque, tu m'as dit ? Pierce Simpson. Un truc anglais ? Hein ? Un truc anglais ? Oui, bah oui, bien sûr. La Castillage sérieux à l'époque. Et après, on avait acheté en contrebande, sans payer de taxes, tiens-toi bien, un loch à ficelle à Jersey. Garde, je ne me souviens plus. L'île qui était hors taxe, quoi. Je crois que c'est Garde. Sur les eaux bleues des océans, marée salée, talons au vent. Je voudrais voguer sur un flottant pour ne revenir que dans 10 ans.